par Gagapa. D'accord. Donc, mais bon, il a quand même sorti un gros client. Hein. Ok. Là-bas, parce qu'ils veulent pas faire chez nous avec un filon d'art. D'accord. Ok. Câble. Donc voilà, c'est parfait. C'est bon les gars, quand vous voulez. Ils sont prêts. Alors Mastem qui joue El Fuerte face à Verga de la Fuerte de El GXC Shield. En player 2 et un match-up, on va dire, assez rare. Assez rare et funky, ouais, je dois dire, effectivement. Alors là, c'est en... on va dire que c'est quand même la cruauté, hein. Là, le match-up... Alors là, ça va être complètement bizarroïde, là, comme match-up. Voilà, mais Shield prend l'ascendant, là, avec son saving. Et derrière, la chope malheureusement qui est bien déchopée par Mastem. Il a voulu faire un petit décalage, bien joué ce bas gros point là sur le wall jump. Avec Cécile là qui garde bien la chope. Le body press bien joué ça. Ah, malheureusement il rate son low punch. Il avait tellement bien vu. Ouais mais ça doit être le stress des examens, tu sais. Voilà, ça doit être ça. En plus, là, c'est le repêchage, donc ouais. Il n'y a plus de chance après. Ouais, il y a vraiment beaucoup de pression à ce niveau-là. Oh là 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 là, l'ultra en réflexe sur le wall jump. Très, très, très joli move de GXC Shield qui montre qu'il est là. Voilà, on sait maintenant pourquoi il a pu sortir qui avait dessus. Il a des très bons réflexes comme ça. C'est très très bien joué à lui, hein. Concrètement c'est bien vu. Il a l'air de bien connaître le match-up en tout cas. Voilà là, le guacamole gratuit avec le tortilla à la relevée. Et là ça y est, le main game est lancé. Le crossbody. Et là ça va être mal barré là par contre pour Shield. A bien trouvé ce HK, malheureusement il ne finit pas son combo. Le crossbody qui touche encore et l'ultra qui va lui permettre de s'enfuir. Malheureusement, il se prend le counter hit HK et le backflip qui se fait rattraper. Là, ça va être un poil difficile pour Shield et le tortilla. Un petit pros et non, il a feinté. Il a feinté. Comme on dit dans le sud. Exactement. Et du coup, là, pour le moment, ils en sont au troisième round. Eh oui, Thierry. Et tout à fait. Et du coup, Shield, à mon goût, arrive très très bien à gérer le El Fuerte. Tout à l'heure, on a pu voir avec Raj Cuisto que El Fuerte peut être vraiment chiant pour les persos qui n'ont pas de dragon. Mais là, Shield est complètement dans la place. Même si là, il a fait un peu de freestyle. Hein, ok. Donc, El Fuerte a son ultra en stock, ce qui veut dire qu'elle peut également servir d'entière. Waouh. Avec le saving plus la chope derrière, mais après le... Sky High X, on a l'impression que la griffe a l'air d'être safe face à El Fuerte. Même pas d'ultra en réversal. Ouais. Le moyen point sur El Fuerte qui saute. Allez, tout va jouer maintenant. Et l'ultra, allez, l'ultra. Ouh, mais c'est funky tout ça. Contre. Bien déchoupé. Et là, c'est la mort. 1-0. 1-0 pour GXC Shield. Par contre, je ne comprends pas beaucoup pourquoi justement Mastem a pris l'ultra 2 contre Klo. Bonne question, parce que l'ultra 1 c'est quoi? L'ultra 1 c'est le main game avec le... Mais ça rattrape aussi les backflips qu'il fait ou autre. Ouais, donc je comprends pas pourquoi il prend l'U2, senti que là le Sky High Claw il pouvait pas le plier avec l'U2, avec l'U1 il pouvait. Ouais. Parce qu'il était trop loin. Bizarre. Du coup là, deuxième match, premier round. C'est pris une petite, un petit Superman Punch un peu mytho là. Allez, contre chop. Et les deux hits, et oui, c'est très très bien joué ça. Avec le Scarlet Terror, la fin de focus bien sûr, hein. Il n'allait pas la relâcher contre une Ultra 2. Hein. Ça aurait été gratuit. Bien déchopé, il est attentif quand même, Shield. Et le mix-up de relevé, non, il a backflip, il a pensé qu'il y a l'ultra. L'arrière high punch sur wall jump. Là par contre il peut être puni. Ah, dommage. Allez, la punition derrière. Et il n'y a toujours pas de punition et ça gratte. Et là, attention, mix-up de relevé. Ça peut aller l'ultra, l'ultra. Et l'ultra. L'ultra. Oh, ça passe pas. Ça passe pas, c'est ce qu'il dit. Et Shield
et Shield qui fait un signe en étant non, en disant ça passe pas, ça mon passe gars pas exactement. Très très bien joué de la part de Shield. Ah, il rate son dernier gros point, la balayette, la chope bien vue. Et le gros point trouvé, malheureusement il rate un peu et du coup c'est la punition, juste un seul high punch. Ça semble un peu mitigé, le Superman high punch qu'il passera pas. Oh là là, bien joué Esther Shop là sur le wall jump. Il a une belle vision du jeu la Shield. Et la Shop derrière ce tortilla raté. Oh, et le réflexe. Le réflexe de Flying Barcelona. Très très bien joué de la part de Shield. De Shield exactement. Ouais, le bien joué. Bouclier. Il ne rigole pas. Il a le sourire. Hein. Ah, là il a plus que le sourire. Merci. Même. Il a fait un bisou à la caméra. Shield, allez donner votre score. Allez, maintenant c'est au tour de MBR face à Kabetsu. Ouais. Aita. Ouais. Alors, où est Kabetsu? Mystère et boule de flex. Alors, je vais demander à Aita. Aita? Aita? T'as pas vu GPK quelque part? Aita? Kabetsu wa doko desu ka? GPK. Ah, hontoni? Kiyofu no slim? Alors, Kabetsu il est en train de jouer à KOS avec Coco. Allez, on attend